Voici Hirokazu Kanazawa. À 74 ans, ce japonais est le plus haut gradé de la fédération du Shotokan Karaté. Monsieur Kanazawa est ceinture noire 10e dan. Pour le club de karaté de Dolin, le Sennosen, sa venue est donc comparable à celle d'un Zinedine Zidane ou d'un Pelé en football. Mais le fondateur du Sennosen de Dolin préfère, lui, une autre comparaison. Et ensuite, expirez. Je dirais plutôt que pour les catholiques, c'est l'avenue du pape, quelque part. En tout cas, c'est pour moi, c'est ça que ça représente. La fédération a jugé que notre club était très actif à son niveau. Et pour me remercier, comme Sensei Kanazawa venait en Belgique et il vient une fois tous les 4-5 ans, en principe il donne cours au Hombu Dojo à Anvers. Et là, il est venu donner cours à Alain Bourg sous l'impulsion de la fédération. Ça m'a fait très plaisir. Hirokazu Kanazawa a débuté le karaté il y a plus de 60 ans. Aujourd'hui, il enseigne la discipline un peu partout dans le monde. Un sport qu'il apprécie toujours autant, même si le poids des ans commence à se faire sentir. Now feeling getting tired for traveling all over the world because... Aujourd'hui, je suis surtout fatigué par mes nombreux voyages partout dans le monde. Je voyage 8 mois par année. Ce sont surtout les changements de fuseau horaire qui sont difficiles à gérer. Sans cela, je suis convaincu que je pourrais vivre jusqu'à 120 ans au minimum. Et ce, grâce au karaté qui offre le bien-être et la longévité. Le karaté promeut la paix et l'harmonie. Le karaté, ce n'est pas que du combat, c'est aussi et surtout un sport où la discipline est très importante. Une discipline de vie qui, conjuguée à un mental d'acier, peut faire des miracles. Exemple avec M. Kanazawa. En 57, il remportait les championnats du Japon de karaté avec une main cassée. In. 1, 2, 3. I didn't think I could become champion. Okay. But also I broke. Je ne pensais pas que je pouvais devenir champion cette année-là. J'avais la main cassée. Je ne comptais pas combattre. Right. Okay. But my mother came. Mais ma mère est venue et m'a demandé si on n'utilisait qu'une seule main au karaté. Je lui ai dit non. Le karaté, c'est aussi l'autre main, les deux pieds. Tout le corps est une arme, en fait. Alors elle m'a demandé pourquoi je ne voulais pas combattre. J'ai alors obtenu une dérogation et j'ai participé au championnat. Et finalement, j'ai gagné un peu à la manière de Rocky. Une anecdote qui servira désormais d'exemple à tous les membres du Sennosen de Dolin. Same time, okay?